pour ce qui concerne les tables bancs qui ont été, dont les établissements ont été dotés dans l'Angonier, ces tables bancs ont permis de résorber le problème d'anciens mobiliers qui étaient déjà vétustes et qu'il fallait naturellement changer, en plus de venir combler le vide, le manque de tables qu'il y avait au préalable. Donc ces tables ont été distribuées dans la province de Langounier, sur les grands axes, et je pense qu'ils ont quand même apporté une solution au sempiternel problème de tables blanches, de mobilier scolaire en ce qui concerne les élèves. C'est une action salutaire, n'est-ce pas, du président de la République, tout simplement parce qu'elle a permis de résorber des situations de problème auxquelles nous étions confrontés. Je prendrai à titre d'exemple le fait qu'il y ait autrefois 3 à 4 élèves par table. Ce n'était pas possible de pouvoir enseigner dans ce type de classe avec des enfants serrés sur un table-banc. Ce n'est pas toujours évident de pouvoir travailler. Alors que là, nous sommes revenus à des effectifs plus ou moins réguliers et qui permettent de juguler le problème de place dans les salles de classe. Les résultats, n'est-ce pas, scolaires de la province de Langonier sont passés à la hausse pour ce qui est du BEPC, du baccalauréat, du CEP. Et même pour les classes intermédiaires, ces résultats sont passés à la hausse. Parce que davantage, on a des apprenants en classe qui ont un table-banc sur lequel s'asseoir. Les enseignants sont bel et bien présents parce que quand il manque aussi de table-banc, que les enfants sont serrés sur un table-banc à 3 à 4, ou certains autrefois assis à même le sol, ça cause un problème de circulation de l'enseignant. Alors que là, une fois avec les enfants, n'est-ce pas, assis, sur des table-bancs nouveaux et en nombre suffisant pour qu'il n'y ait plus de 2 élèves par table, mais les enseignants, n'est-ce pas, ont là un espace qui leur permet de travailler le mieux possible.